Bonsoir à tout le monde et bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur YouTube pour cette 9e soirée sport santé façon digitale. J'espère que vous allez être nombreux à profiter de cet événement. On essaye de maintenir quand même une activité sportive malgré cette période un peu compliquée. Donc au programme soir, vous aurez de la Zumba, du renforcement musculaire, du stretching. On a essayé de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde, petits et grands. Voilà, faut pas hésiter à essayer, à s'arrêter si c'est un peu dur, à reprendre. L'idée, c'est de passer un bon moment, un moment convivial, un moment aussi un peu sportif. Hein. L'idée, c'est de se faire du bien. Restez avec nous. On va commencer dans 2-3 minutes. Le temps pour nous de terminer l'installation et d'attendre les derniers connectés. J'informe aussi que cette séance sera disponible en replay. Voilà, donc vous pouvez la faire et la refaire sans limite. Restez là. Je reviens donc une ou deux minutes. À tout de suite. Alors, on m'annonce dans l'oreillette qu'on est déjà à 3 millions de spectateurs. Coucou la France. On voit déjà que vous êtes pas mal, pas 3 millions, c'est vrai, j'ai menti. Mais en tout cas, vous êtes déjà assez nombreux à nous suivre, à nous mettre des petits messages. Alors voilà, justement, cette séance, elle est digitale. Malheureusement, on ne peut pas être ensemble. Mais on essaye quand même de garder du lien. Donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité de nous mettre des petits messages sur le chat de YouTube. On va essayer de les lire au fur et à mesure de la soirée, même si les éducateurs sportifs seront en pleine action, donc ça sera difficile pour eux de les lire. Mais en tout cas, il y a une régie et on va pouvoir lire ça en régie. On essaiera de vous répondre, de vous faire des petits coucous. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, c'est super important de garder le lien, surtout dans cette période. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes en direct pour la 9e édition de la soirée Sport Santé. On me dit dans l'oreillette que je peux retirer mon masque. Voilà, comme ça vous pouvez me voir, c'est moi. La 9e soirée Sport Santé, donc digitale à Champigny. On est au gymnase Jesse Owens, dans le quartier des Mordacs. Et dans maintenant une minute, on va commencer vraiment la soirée. On attend encore un tout petit peu, histoire que tout le monde puisse arriver. On sait que des fois, le vendredi soir, ça circule mal, surtout quand il y a des départs de l'Île-de-France pour aller dans d'autres régions. Restez avec nous en tout cas. Vous pouvez être partout en France à nous regarder, surtout à Champigny. À tout de suite.
Alors, vous êtes encore plus nombreux que tout à l'heure. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on va passer un bon moment tous ensemble. J'ai un petit challenge photo à vous proposer. Alors, voilà, parce qu'on a, malheureusement, on n'a pas Steven Spielberg avec nous, donc on fait les effets spéciaux nous-mêmes. Donc, voilà, un petit challenge photo. Vous pouvez nous envoyer vos photos. Vous avez toutes les informations sur cette petite feuille. Voilà, sur le compte Instagram de la ville, sur la page Facebook de la ville ou par mail. Voilà, je le laisse un petit peu à l'écran pour que vous puissiez bien noter. Et voilà, n'hésitez pas à tout nous envoyer, les petites photos, les petites vidéos, à tout nous partager, à nous taguer pour qu'on puisse voir comment vous avez participé à cette soirée, en famille, entre amis. Enfin, entre amis en ce moment, c'est pas trop l'idéal, hein, je vous le cache pas. Mais en tout cas, en famille ou même seul. Voilà, en tout cas, on va commencer. Je vais laisser la main à mes collègues Nicolas, donc qui est notre responsable à la direction des sports du service animation, et à Cathy, qui est responsable du pôle santé publique donc à la ville. Je vais leur laisser la main avant qu'on commence pour avoir quelques éléments sur le sport santé avant de démarrer notre séance. À tout de suite. Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci Pascal pour cette introduction et ce lancement. Je vais également retirer mon masque, on entendra mieux. Voilà, donc c'est important, on garde les distances, les gestes barrières, donc on fait ça en toute sécurité. Donc, comme l'a dit Pascal, bienvenue à cette 9e soirée Sport Santé Digitale. C'était très important pour nous de maintenir le lien avec les Campinoises et les Campinois. Nous avons donc, j'ai une petite pensée aux 525 inscrits lors de nos activités municipales, qui se sont inscrits en septembre, qui ont malheureusement eu très peu de cours. Donc sachez que depuis le mois d'octobre, nous avons mis en place de nombreuses vidéos, 250 vidéos. Nous avons 17 créneaux hebdomadaires en live par semaine, et on est à peu près à 8000 vues. Donc ces vidéos sont pour l'instant, j'allais dire, réservées aux personnes inscrites en début d'année. Pascal vous a montré le mail, notamment educ.sport@mairie-champigny94.fr. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous souhaitez accéder à ces vidéos. L'objectif, c'est qu'il y ait du sport pour le plus grand nombre. Donc voilà, ça c'est très important pour nous. Je voulais également vous signaler que cette séance est une séance en live. Vous pouvez la regarder en replay quand vous le souhaitez et vous la partagez. C'est très important. On va vous présenter dans quelques minutes les éducateurs sportifs municipaux qui ont travaillé sur cette soirée avec nous. Donc voilà, cette soirée ne pourrait pas se faire sans nos collègues. C'est très important. On espère, donc gardez cette date, on espère vous retrouver en présentiel. On a un projet le 28 mai, le vendredi 28 mai, pour faire cette 9e soirée en présentiel avec des stands, avec des partenaires, des acteurs locaux, des initiations. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui nous tiennent à cœur. Donc, on patiente, mais on espère vous retrouver en présentiel le 28 mai. Alors, je vais passer la parole à Cathy, ma collègue, donc notamment du pôle santé publique à la direction de la santé, qui va vous parler de la santé. Et ensuite, on va vous présenter les éducateurs et on va lancer la Zumba, notamment la première partie de cette soirée. Cathy. Oui, bonsoir. Heureuse d'être avec vous ce soir pour cette nouvelle soirée santé sport. Donc la direction de la santé avec ses professionnels reste pleinement mobilisée en faveur de la santé des Campinois en cette période. Elle reste également pleinement mobilisée en cette crise sanitaire, notamment avec ses professionnels de santé, les professionnels de santé libéraux de la ville. Elle a mis en place un centre de vaccination et de dépistage qui se trouve au gymnase Tabanelli, de manière à passer au plus vite cette crise. Donc je pense qu'on est à peu près autour de 5000 personnes vaccinées sur notre ville et cela va s'accélérer. Donc la santé, eh bien, pour maintenir une bonne santé physique et mentale, dans cette période, il me semble important de maintenir une bonne activité physique. Alors, dans son salon quand c'est possible, mais également à l'extérieur. Et notre ville regorge de plein de lieux qu'il est possible de découvrir peut-être en cette saison. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.
Merci Cathy. Donc, comme l'a finalement souligné Cathy, et malheureusement suite aux annonces d'hier soir, nous vous encourageons vivement à pratiquer une activité physique et sportive en extérieur, donc en plein air. Champigny dispose de plein d'atouts. Nous avons la base nautique, nous avons les bords de Marne, nous avons le parc du plateau, nous avons différents lieux, les 100 marches sur les 4 cités qu'est Lucie. Donc nous avons énormément de lieux pour que vous puissiez pratiquer. On peut également vous servir de nos vidéos pour avoir quelques situations, quelques séances type. Il n'y a aucun souci, en espérant vraiment donc, reprendre en présentiel dès que le gouvernement le décidera. Donc on va lancer la partie sportive, nous avons donné là quelques éléments. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, à partager cette soirée auprès de vous. Pascal va vous présenter les éducateurs et nous allons lancer l'échauffement avec nos éducateurs et ensuite la Zumba. Merci à vous, bonne soirée. Rebonsoir. Alors, comme Nicolas vous l'a dit, on va commencer là dans une petite minute. Je vais appeler les collègues, éducateurs sportifs à la ville. Voilà, vous les connaissez peut-être, donc vous les avez peut-être déjà vus sur les séances, sur nos dispositifs live and replay. Voilà, donc je vous présente Audrey très rapidement. En fait, très vite, comme ça, on commence. On a Audrey, on a Loïc, Geoffrey, Cathy et Nawel. Voilà. Tous ensemble, ce soir, on va s'occuper de vous, on va vous faire bouger, on va essayer de vous faire retrouver un peu le sourire, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Je vous propose qu'on démarre, si ça vous convient. On y va. Pensez aux petits challenges photos. On a déjà reçu quelques petites photos. Il faut continuer. On en veut plus, on en veut plein. Moi, je veux faire un album. Je veux faire un album de vous. Voilà, donc envoyez-moi toutes vos photos. Et voilà, sans micro, ça fait comme ça. On attend les collègues. Les collègues arrivent, ils sont dans les transports en commun. Préparez-vous. Toujours les mains. Allez. 3, 2, 1. DJ. Waiting too long. Hell no, I want that cruel love.
But that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, oh, girl. Deuces, goodbye. I got a world to see. My girl, she wanna see Rome. See, so I'm making you a believer now. I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like a sea.
All night, all right, y'all a wine like dynamite. Colombian gal, power my
size and styles worldwide. Lift it up, man. Let me ram it up. Hot girl a line up, all up in a row. Let me see you whine and bend down low. Hot girl a line up, all up in a row. Let me see you whine and bend down low. No bajes la cabeza, levántala pa' bailar. Piense demasiado, déjate llevar. Deja que tu cuerpo se mueva. Olvídalo todo, déjate llevar. No bajes la cabeza, levántala pa' bailar. Piense demasiado, déjate llevar. Deja que tu cuerpo se mueva. Todas las mujeres
se nota, conmigo lo goza. Se pone sabroso y me entrega esa cosa. Dame la mitad, Mari. A veces empiezo a extrañar como eso le gusta. Yo solo quiero contigo, no quiero con otra. No me digas mentira. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feel things I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes.
Ah, c'est fatigant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du sport ensemble. Hein. Waouh, ça fait du bien. Bon, première partie, Zumba, c'est fait. Maintenant, on a Laurent Faux. Laurent Faux avec Cathy qui arrive. Voilà. Et notre Loïc qui arrive aussi, qui était à la régie. Loïc est polyvalent, il fait la régie, il fait les cours, il fait les pique-niques, il fait tout. Il fait tout dans la team. Voilà. Ok, donc on laisse Loïc et Cathy s'occuper de vous pour le renforcement musculaire. Profitez-en juste une petite minute le temps qu'on vous explique exactement ce dont on a besoin pour boire un coup. Voilà, soufflez quelques secondes et puis on attaque. On vous propose un challenge pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Une bouteille d'apéro, une bouteille d'eau, et après vous faites un choix entre la bouteille d'eau et la bouteille d'apéro. Mais comme il y a des enfants, on va rester sur la bouteille d'eau, on va arrêter. On va arrêter. C'est lui qui a proposé, c'est pas moi. C'est Loïc, c'est la faute de Loïc. Alors, je vous explique. Mettez votre écran, on va passer un petit peu au sol, on va être un petit peu debout. Je vais partir mettre la musique et on va commencer. On va vous proposer des challenges entre adultes et enfants. Donc ramenez les enfants, sortez les chats, sortez les chiens, jouez avec. Ok ? J'arrive. Important.
Allez, 8 pompes. Ouais. Je profite des 8 pompes pour vous rappeler qu'on a le petit challenge photo en même temps. Voilà, le petit challenge photo, vous envoyez sur l'adresse mail des éducateurs sportifs. Voilà, ou sur le compte Facebook de la ville, ou sur le compte Instagram de la ville. Voilà, envoyez-nous tout ça, on a hâte de voir si vous transpirez. Oh!
Faire un peu d'apport, mais pas prendre le mari qui nous chante avec son idée.
Attack!
Je commente. Attention, nous sommes dans un match incroyable, un match de Shifumi. On n'a jamais vu ça. Victoire incontestable. 8 pompes pour le perdant. Allez Loïc. 8 pompes. 1, on encourage Loïc. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Super. Bravo pour votre participation. On attaque une petite détente familiale. Voilà, vous voyez, on peut rendre le côté ludique au niveau du renforcement musculaire. Oui, c'est sûr, c'est moins drôle que... La zumba. Merci en tout cas. Attention, changement de musique. Loïc et Cathy pour cette petite séance de renforcement musculaire qui aura ravi petits et grands. On va passer au stretching, voilà, pour terminer en douceur. Tout le monde peut le faire. C'est très important de s'étirer en règle générale. On va en profiter ensemble. Voilà, on a encore une petite demi-heure devant nous, faire un bon petit stretch pour bien récupérer de cette soirée complètement folle et déjantée. Et puis voilà, je laisse donc Cathy, Nawen et Audrey s'occuper de vous pour terminer avec une petite musique d'ambiance. On est bien à Champigny. On est bien à Champigny. Ça va? Bon, en tout cas, merci à Cathy et Loïc. On a les deux danseuses là. Avec des signes. Attention, c'est la mort du signe. Hop. Je vais laisser les maîtres de cérémonie vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la séance. Éventuellement, DJ, une musique un peu plus élevée. Voilà. Je te mets au milieu. Donc, l'idée, c'est de faire un Shifumi pour savoir qui va faire un grand écart. Ah, c'est... D'accord, ok. Voilà. Installez-vous. Qui cool. Raoul. Exactement. Après... Prenez les filles, j'en ai pas besoin. Vous pouvez enlever les
chaussures. Éventuellement. Voilà, je vous montre mes belles baskets. Elles ne sentaient pas. Voilà. Ne sentez pas l'intérieur de vos chaussures. Alors, on vient se détendre tranquillement. On installe le chat en position yoga. Le ventre, le visage vers le ciel. Les pattes en l'air. J'ai une amie, elle a un chat. Je vous raconte, j'ai une amie, elle a un chat. Elle le prend comme ça. C'est un truc que j'ai jamais vu. Je peux essayer avec vous? Vas-y. Shifumi. Ah. Deux Shifumi. Un, deux, trois. Non mais les filles, faut jouer avec moi. Je sais pas, je joue pas avec moi-même. Je sais que je deviens sénile, mais quand même. Un, deux, trois. Je fais feuille. Et toi, t'as fait quoi? Ciseaux. Ok. Allez, attention, on recommence. Avec nous. Un, deux, trois. Moi, j'ai mis la pierre. Ok. Ok. C'est pas gagné. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Laisse tomber. Oui. Ok. Ok. Relâchez-vous au niveau des épaules. Mettez-vous dans une posture qui est confortable pour vous. Donc, ça peut être un peu plus croisé. Ça peut être un peu plus relâché au niveau des jambes. N'hésitez pas à rajouter éventuellement un oreiller pour vous rehausser ou être un peu mieux assis. À partir de là, on inspire. Les paumes de main vers le ciel et on étire au maximum. Voilà, et on relâche. Vous allez placer les bras derrière vous. Je me mets trois quarts légèrement et vous étirez le haut du corps et au niveau des épaules. Ok, on inspire, on pousse vers le ciel, on relâche. Allez chercher loin derrière, essayez de soulever un tout petit peu plus, libérez le haut du corps, libérez vos épaules. Encore une fois tout le monde. Passez derrière. On relâche, placez les mains au niveau des genoux, dos rond. Basculez dos rond vers l'arrière, tirez entre les deux omoplates. Allez au maximum vers l'arrière pour étirer l'ensemble du dos et du haut du dos. Remontez, tirez un petit peu les bras vers l'avant. Et on relâche. Expirez. Inspirez. Allez chercher un peu plus loin devant. Encore une fois, j'expire, j'inspire, montez les bras, l'idée c'est de twister sur votre droite, travaillez un peu la mobilité de la colonne, on tire avec le bras gauche, viens chercher loin derrière, inversez, n'hésitez pas à tirer un petit peu plus, encore. Ok, revenez au centre. Relâchez à nouveau vers l'arrière. On expire au maximum. On relâche. Vous allez tranquillement ouvrir la jambe gauche. Voilà, restez ancré dans le sol au niveau du fessier. Allongez bien la jambe gauche et penchez-vous simplement vers l'avant. Essayez de garder l'alignement au niveau de la colonne. On essaye de garder les fessiers collés au sol. Et vous tournez tranquillement votre buste sur votre bouche. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Moi j'en profite pour jeter mes chaussures qui sont horribles à la caméra. Voilà, ça c'est fait, c'est naturel. Pas à refaire. Je ne jette que les chaussures. Essayez d'attraper un peu plus vos orteils. Tirez un peu plus sur votre jambe. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Et les filles, un, deux, attention. 1, 2, 3, Shifumi. Ciseaux, ciseaux. Audrey, elle s'endormit. Moi, voilà, c'est ça. Tu m'as fait m'endormir. On redresse. Jamais perdre le nord, jamais.
pas un grand cercle. Un peu d'artistique. Poussez le bassin vers la porte. Voilà. Et on relâche. Encore une fois. Hop, on vient chercher un peu plus. Poussez le fessier vers le haut. Et on relâche. Dernière fois, tout le monde. On inspire. Voilà, les petits rats de l'Opéra de Paris. Magnifique. On relâche. C'est très bien, tout le monde. Simplement, on ouvre la jambe droite et on fléchit la jambe gauche. Vous voyez, accessible à tout le monde. Penchez-vous vers l'avant. Dos bien droit. Respirez bien. Pivotez sur votre droite. Inspirez, expirez profondément. On essaye d'attraper sa chaussette, ses orteils. Petite astuce, si vous avez un petit chiffon à côté de vous pour vous aider, vous attraper pour pouvoir ne pas trop tirer dans le dos et forcer dans votre posture. Et on repasse tranquillement au milieu. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Redressez. Placez la main gauche derrière. Pareil, petit ras de l'Opéra de Paris, on inspire. Poussez. On relâche. Encore. Inspire, expire. Le pied au sol. Essayez d'aller chercher un peu plus loin. Encore une fois. La plus agréable, et c'est ironique, ouvrez les jambes. Si vous n'êtes pas très à l'aise, fléchissez un peu, dos bien droit pour pousser un peu plus le fessier vers l'arrière. Allez, on va chercher vers l'avant tranquillement. L'idée vraiment, c'est d'enlever les tensions, de baisser la température du corps et la fréquence cardiaque. Pivotez légèrement sur votre droite. Cherchez un étirement sur l'arrière de votre cuisse à droite. La posture de votre dos, le placement est important pour aider à l'étirement et votre respiration. Revenez au centre sans redresser le buste et passez sur votre gauche. Revenez au centre. Essayez de relâcher un peu plus. Voilà, faites ce que vous pouvez. Redressez votre buste. Vous allez imaginer, parce que c'est bientôt Pâques, qu'il y a un petit lapin de Pâques juste devant vous. Ouvrez les bras. Et l'objectif, c'est d'aller chercher ce lapin, de l'attraper. Mais c'est un lapin vicieux. On vient chercher vers l'avant. Et le lapin va légèrement reculer. Vous voulez l'attraper, vous n'arrivez pas. Dès que vous arrivez à votre maxi, vous posez vos doigts, vous posez vos mains. Dos bien droit. On va jouer un tout petit peu avec ce lapin. Chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. Le lapin, le lapin, le lapin. On redresse. Obligatoirement, on veut encore attraper ce lapin de Pâques. Et on vient chercher un peu plus vers l'avant. Lapin coquin, lapin quand tu nous tiens. Et on pose. Lapin Kinder. Lapin surprise. Lapin important. Redresser. On essaye encore de l'attraper. On inspire. Expirez. Le coquin lapin qui ne veut pas se laisser attraper. Normalement, vous avancez. Et on redresse. On ouvre. Allez, dernière fois, on essaye, mon cerveau.
week-end de Pâques. On va pas se laisser faire les filles, hein, on est d'accord? Bien.
L'objectif, c'est simplement d'avancer les pieds pour approcher vos pieds de vos mains. Fléchissez un peu les jambes, les mains au niveau des genoux. Essayez de créer un angle droit entre votre dos et vos cuisses. Tendez les jambes et tirez l'arrière des cuisses. Encore une fois, fléchissez les jambes, essayez de relâcher un petit peu plus, les mains au niveau des chevilles, étendez. À partir de là, souple dans les jambes, on avale toujours le ventre. On déroule, on déroule, on déroule, une vertèbre après l'autre. Vous allez simplement pivoter vers nous, vous allez avoir une jambe derrière, une jambe devant. On inspire, attention les enfants, je vous invite à peut-être prendre votre appareil photo pour photographier les parents ou inverser pour le challenge avant la petite révérence. Et l'idée du challenge, je glisse la jambe derrière, je pose mes mains et je descends. Ça, les enfants, ils kiffent. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que face à face, vous pensez qu'on est tout seul. D'ailleurs, on ne va pas bouger. D'ailleurs, on ne bouge pas. D'ailleurs, on ne peut plus bouger. D'ailleurs, on ne peut plus bouger. On ramène. Hop. On revient. On déroule. Remontez, inspirez. Inversez votre révérence. Moi, je veux que vous nous envoyiez des photos de votre grand écart. On glisse et on allonge. Voilà. On s'en sort encore bien, les filles, hein. On nous âge. Hein, André? Hein? Alors attention, Pascal veut nous faire un grand écart. Là, c'est tout de suite. Les garçons arrivent, on ramène. Un grand écart. Voilà. On arrive la semaine prochaine. On redresse. On inspire. On vous attend. Hein. Voilà, les filles. Garçons. Quand même pour montrer qu'on se débrouille encore bien. On pivote. Et de profil. Oh non. Oh bah si. Bon oui. Alors moi j'assume hein, parce que j'ai le même grand écart depuis mes 20 ans. Je descends pas plus bas. Voilà. Je descends moins bien. Je te travaille plus. On ramène. Voilà. Glissez. Donc c'est là où on veut la photo. C'est la photo de profil. On déroule. Inspirez. Inversez. Ouais, même grand écart. Vous les voyez pas, mais tous les garçons sont en train de faire. Ah oui, 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 ah. Oui, oui, tout le monde. Le challenge. Ah, je suis moins sur ce que vous dites. Les choses, allez. Alors, allez, allez, maintenant. Ah, pas mal, pas mal. Bien. Pas mal, hein. Vous avez une photo des garçons. Vous pouvez vous faire un selfie des garçons. Voilà. Déroulez. Ouais, c'était un petit challenge. Je sais que les enfants aiment bien faire le grand écart. Ah, je vous remercie au défaut de pouvoir faire le grand écart, comme dit Pascal, le grand écart des bras. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé. J'espère que cette installation virtuelle d'animation, de joie, de bonheur et de partage vous a plu. On attend vos photos avec impatience. Je laisse la parole à Nicolas. Attention, je sors de l'écran. Restez là les filles. Reste qu'à tirer. Bah non, je vais faire une belle sortie. Ah ouais, c'est tout ça. C'est une belle équipe, non? Alors, merci encore à toutes et à tous. Alors, on va remettre le masque. Voilà, on va remettre le masque. On va dire merci à toute l'équipe. Merci évidemment à vous, hein, qui étiez derrière vos téléphones, derrière vos écrans, vos télés, bref. On a eu 70-80 personnes qui étaient en simultané là sur la séance, donc on est très satisfaits, très contents. Voilà, ça fait une heure et demie de séance d'activité, donc merci à tous, Pascal. Oui, vraiment, merci à vous qui avez participé. Et je voudrais aussi remercier mes collègues, voilà, et les éducateurs sportifs du service qui vraiment, depuis plusieurs mois, se donnent au maximum à chaque séance, virtuellement. Voilà, c'est pas facile non plus hein, face à une caméra de se donner à fond. Donc vraiment, je tenais à les remercier.
pour leur travail et pour leur investissement dans cette période de... Merci à vous. Bravo, merci à vous. Bravo. Bravo. Merci surtout. On attend le challenge. On compte sur vous, on en a déjà vu quelques-unes. Mais voilà, faut continuer. Hein. D'accord, tout le week-end. Pour ceux qui arriveraient en replay, les tout enfants ça. Aussi. Voilà, et les enfants aussi, le chat aussi, tout le monde participe. Tout le monde, famille. Tout le monde. Le poisson rouge, tout le monde. Voilà. Le lapin. Le lapin. Le lapin. Moi, j'ai un lapin chez moi. Je vais faire une photo avec le lapin. Ah, je vous promets, je fais une photo. Il s'appelle Tom. Tom. On attend Tom. Et on répondra à tous les messages, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous aurez un petit retour. Merci encore à vous d'avoir suivi cette soirée. Bravo. À bientôt. À bientôt. Bravo. Ciao. Salut. Et là, attention, sortie.